أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Est-il parvenu le récit de l'enveloppante ? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses d'Hari, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante, là des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, des tapis étalés. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Or Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte.